L'agent de la CIA qui m'a renseigné croyait qu'Airbus était à cette époque la société la plus corrompue de la planète. J'ai découvert que les paiements étaient effectués à deux sous-traitants secrets dans les îles Caïmans. Il s'agit de corruption à l'échelle internationale. Certains salariés d'Airbus ont eu l'impression que c'était une investigation de la police. Il a dit, il faut absolument qu'on agisse tout de suite. Sinon, des gens vont finir en taule. Les services de renseignement ont forcément regardé le dossier, parce que c'est un dossier qui est très chaud. Ça devient compliqué quand on vous dit, on peut vous infliger une amende moins lourde, mais pour cela, vous devez nous fournir toutes vos données confidentielles. Il n'y a que deux grands constructeurs d'avions dans le monde. Vous avez Airbus et vous avez Boeing. Et si les Américains commencent à enquêter sur vous pour corruption, le grand gagnant de cette affaire, ce sera Boeing. Il y a des fonctions comme ça où vous êtes le sauveur ou vous êtes le tueur.